Non, ça s'est coupé tout seul. Ça a marqué si c'est section inspirée. Moi-même, j'ai cru que c'était un signalement. Ça a mis section inspirée. Non, ça a mis section inspirée. Sous le PPL. Ouais. Les gens ne marchent parfois par catégorie. Oh. Ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Bande de psychopathes. Hey. C'est mon voisin. Oha. Nous avons le même état d'esprit. Le bonhomme Zigli. Voilà. Tous autres. Laissez, laissez. Il parle et panda Franck. Courbe, courbe. Ous Marius, à cause de sa laideur. Voilà. Lui aussi, c'est court. Le derrière est comme ça. Les yeux sont comme ça, comme des boules de pétanque. Ou alors il faut aller voir le devant de Cambrai, c'est-à-dire les phares de Cambrai pour voir les yeux de Osmar. Mettez sur le PPL. C'est pas de ma faute si tu avais été révoqué à cause de ta mentalité de psychopathe, ton esprit de psychopathisme. Bête comme tout. C'est ça, voici les bonhommes. Bah, 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 bah. C'est le compteur d'eau qui nous sépare. Voilà votre catégorie de psychopathes, de courbes, courbes, laissez, laissez. Nous allons récupérer toutes les vraies américaines. Ok? Ça sort, ça coulisse. Vous avez les voix de crapaud, hein? Conténignas, conténignas, conténignas. Vous n'êtes qu'une bande de psychopathes, que ce soit vos followers. Ok? Voici mon voisin, Malox. Ouha! Celui de parfum ici, il n'est jamais vu. Un journaliste comme ça, là, celui de parfum ici, je ne sais pas s'il a manqué de sujet. Hein? Il est sur le plateau avec ses chroniqueurs, il pose la question, est-ce que c'est normal qu'un artiste vende des bières? Malos vous a dit qu'il n'est pas là pour mendier. Nous voyons les artistes là qui comptent seulement sur leur musique, voilà qui passent le temps à mendier là. On fait même les récoltes. Oui. Vous êtes comme ça, bam, 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 bam. Vous êtes ici, hein? Vous buvez les bières ici, là, le feu sort. Celui de Pafa ici, un journaliste qu'on vit de partout, tellement Mayemti. Le chroniqueur te dit que, mais attends, hein? Moi je trouve normal, il peut vendre ses bières, hein? Vous les journalistes du pays, là, hein? Des Mboutoukou. Vous êtes dans vos chaînes de plateau là, avec des gros ventes comme des bassines de sable Sanaga. Vous posez des questions bêtes. Est-ce que c'est normal? Normalement, un artiste devrait, oui, dormir entre deux avions. Malox vient souvent ici. Il vient ici. Je préfère vendre les bières, oui, comme il vend la queue de mendier. Il y a beaucoup d'artistes là. Que ce soit qui ont des disques d'or, ils mendient là. Comme ça, vous voulez toujours écraser, oui, les plus bas. Alors que vous-même, vous êtes bas, mais comme vous voulez vous faire voir, vous avez des pages. Malox, il vient ici, il fait un concert, il y aura du monde. Oh, ah! Oui.
Si vous nous voyez comme ça, la débrouillard, nous avons subi la même éducation de nos parents, nos fouets. Malox avait été viré. C'est-à-dire, devant nous, comme ça, là, nos pères avaient pris son sac et mec dehors, que vas-y. Ta part là me dépasse. Ouais. C'est le compteur d'eau qui nous sépare. Les papas ici, il faut voir les journalistes qu'on vit. C'est-à-dire, quand ils commencent le travail, c'est-à-dire le 1er janvier au 31 décembre, c'est alléluia même. On n'est jamais sûr. Hein? C'est pas possible. Voici ça, il tape sec. Voilà, c'est ça. Un bon consommateur doit monter un secret, il doit monter un secret. Voilà. Le code de la... Le code, voilà. C'est le voisin. Voisin, j'espère que tu n'as pas encore mis les droits d'auteur. Voilà, le petit bouchon. L'ouvrez bien. Voilà. Mon frère, vends tes biens, que de mendier. Renvoie mi big up, ah non, mais renvoie mi. Il te dit que la team européenne est en train de récupérer les vraies américaines. Il dit que quand elle s'exprime, mais mon ami. L'oreille vaut, alors à la boue. Il dit que la gorge, ça coulisse. Ça coulisse. À nous, ça dit même à travers les narines, où tu sens que vie, bené aux États-Unis. Toujours là, Hein? Comment elle a même fait pour arriver même chez vous là-bas, là? Je n'ai jamais vu une femme bête comme ça, là. C'est toi qui dis que tu arrives sur Facebook, tu veux framponner. Mais Jean, qui a déjà accepté, on vient dire la vérité sur lui. Hein? Et ça dit, ça accepte ça. Hein? Elle était là, elle était assidue chez Lolo et Magina Kinkam, les deux là. Mais Jean, est-ce qu'on parlait de la Jean? C'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Elle n'est pas normale. Ntouzou n'est pas normal. Je ne vous mens pas. Si vous voyez mon sang repousser quelqu'un depuis 2018, la dernière tentative, c'est quand elle voulait que je l'utilise milliardaire. Ça n'a pas marché. Et comme quand moi je le foule ici, mais mon ami, même dans ma vie, vous voyez la vieille peau là qui se balade partout là. Le refoulement, les gens n'aiment pas quand je le foule. Quand je le foule, mais mon ami, ça ne lâche pas l'affaire. Il y a un là, monsieur l'obscurité. Il dit que oui, je framponne le gros tombeau de ta main, Yumba. Propre. Je ne sais pas là où elle est. Y compris vous tous. Avec votre plateau aujourd'hui là. Ok? Vous qui donnez les décisions, toi si, tu vas tirer et tendre la balle aux États-Unis. Le gros tombeau de ta main, Numba, comme tu viens souvent ici, tu dis que vous êtes en train de mener un combat. Hein? Il ne faut pas toucher les parties intimes. Voilà. Mais vous avez touché les parties intimes d'une maman aujourd'hui et vous n'avez rien fait. Le gros tombeau de ta main, Numba. Ok? Là où tu étais comme un niais, le gros tombeau de ta main, regarde comment tu es niais.
Le gros tumbou de ta main, Yumba. Tu comprends? Voilà. Minbese. Je vais vous soigner. Vous touchez là où ça vous fait mal. Un moribond comme ça, tu vois ta ceinture, toi. Tu vas venir parler de Komamou, un beau villageois. Je t'ai vu avec un bon t-shirt, toi. Hein? Regarde, regarde une ceinture. Une ceinture, tu mets ça là. Pour aller à la fête avec. Regarde toi-même. Regarde. Regarde ça là. Et tu mets quoi? Nike. Tu transpires. Hein? Toi-même, tu as un corps lourd. Hein? Tu es comme ça, comme Kunta Kinte. Hein? L'air comme la vie de décès. Regarde. Hmm? On dit que tu es mignon. Tu es content. Hein? Tu es content. Et en même temps, aussitôt tu reconnais que non, on a qu'à te mentir, après tu fais ça là. Tu fais ça là, après tu reviens là. Hein? Le manque d'affection de ça, le manque d'amour. Tu sais, les laids types ont combattu ceux qui sont nés beaux. Parce que avant, hein, mon ami, un laid type, même quand ça avait l'argent, la beauté des poches, les gars ne voulaient pas. On voulait seulement les beaux gosses. C'est terminé. Si toi, tu n'avais pas changé de philosophie, car oui, nous aussi, les laids, hein, il suffit seulement. Oui, tu te mets, regarde, oh, au calme, hein, belle ceinture, hein, je me sens en confiance, mais si toi tu es toujours autant là, hein, tu portais les t-shirts verts ou jaunes, les casquettes verts ou jaunes, mais mon ami, t'as pas de choix, Osmarius, tu vois la quantité de femmes que tu viens lancer le défi parce que, hein, des psychopathes là disent que tu es beau. Osmarou, dis-moi. Tu es beau dans quelle philosophie? Dis-moi un peu. Regarde-toi. Une tête en trapèze, avec une calvitie ensoleillée qu'on y connaît. Comment? Hein? Vous pouvez? Je ne vous ai pas encore dit que chez vous là-bas là. Hein? Vous là, on vous laisse vendre. Les autres se cachent. Parce que ils savent très bien. Ça se cache. Malgré que ça manque eux-mêmes que bon vos conteneurs. Parce que c'est mélangé apparemment. Vous êtes mélangé. Tu es à conteninas. Hein, Osmarus, dis-moi. Tu es quel conteninas, Osmarus? Là où on te manque là. Hein? Tu es quel conteninas? Anangota viré. Parce que en retour, on partait lui dire que oui, tu es dans les ibos. Tu racles la langue sur l'écran de téléphone. Il t'a viré comme un moins de rien. Regarde là où c'est toi quand tu vas dans les panels. Hein, c'est pas bon de citer les parties intimes. Mais tu étais sur un panel, Maman Anna. Réécoute encore. Et tu comprends pourquoi. Non seulement tu étais né nien. Ok, et que la première fois que tu t'étais miré, tu avais été déçu, voilà. Ok, c'est pour ça même tes parents, tu les en veux. Tu es obligé de venir chercher l'amour. Regarde donc alors les femmes qui te donnent de l'amour, une toujours. Attends, elle te montre. Ce n'est pas moi qui dis. Elle-même, elle a voix. Elle ne peut plus aller au Cameroun parce qu'elle est partie mentir Biderman. Je ne sais pas vous que le président là qui marche dehors. Oui, elle est partie mentir là-bas là qu'on voulait la quitter au Cameroun. Bon, toi-même, voilà donc alors. Quand il dit, malheureusement, ça dit, c'est des patates du même sillon qui fonctionnent ensemble. Voilà, regarde. Quand celle-ci, elle est au noir. Hein? Elle est au noir. Ok? Elle est au noir.
Mais on dit toujours. Hein? Regarde comment tu es debout, tu es belle. Elle dit merci, merci, merci. Non, toujours, tu es magnifique. La même chose qu'on faisait à Isaac. Hein? Tu es magnifique. Au moins, Isaac. Hein? On voyait Isaac. Hein? Mais celle-ci, elle est au noir. Les gens disent que regarde comment tu es debout. Tu es magnifique. Tu as des beaux pieds. Hein? Tu as des belles mains. Elle dit merci, merci. Tu dis merci. Franchement, allez vous soigner. Allez vous soigner. Hein? Vous-même. Regardez. Petite séance photo. Parce que c'est la magie. Je vous montre les contenus dans ces maisons. Je vous montre le patron de. Le patron, apparemment, s'il y a 500 000 cœurs là-bas, là, actuellement, les 500 000 cœurs, c'est quand celui-ci fait son entrée, on dit le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Regardez leur capitaine. À chaque fois qu'il sort le tout ici, là, la honte de ça. Ça veut dire, le cœur est laid. Ses poumons sont laids. Tout est laid, son intérieur est mouche. Et après alors, je manque ça en désordre. Voilà les contenus dans ça. Et voilà. Celle-ci, si on pose la question à quelqu'un que celle-ci, elle a quel âge, avec l'image ici. Si on ne dit pas 100 ans, c'est que ce n'est pas moi. Regardez. Les chèvres, regardez. Regardez, regardez. Vous-même. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Eh, mes gens. Si ce n'est pas la malédiction, vous-même. Il y a certaines femmes, même si elles s'énervent, comment est-ce que nous pouvons avoir ça? Regardez. Ametahana, ça veut dire. Hein? Ici, c'est sûr qu'elle est en train de, je ne sais pas, elle manquait le respect à qui, comme ça là. Vous-même, regardez. Ouais, que, regardez vous-même. Quelle haine. Ça là, moi, je n'ai jamais vu. Il dit que, il y a Mafou, les captures d'écran de Mafou, quand elle fait les divers de Loulou et consorts, même si on fait quel genre de capture d'écran, est-ce que ça peut, non, vous-même, dites-moi un peu. Hein? Vous êtes où? Venez ici. Voici les conteneurs. Ça veut dire, c'est vrai ce que nos cousins, voilà, Bandunez dit. Même là où elle vit, ok? Comment elle ne va pas avoir ça là? Regardez. Vous-même regardez. Regardez, regardez ça là. Regardez, 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 regardez. Aïe, 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 regardez, elle a mis un canapé de poudre jusque-là. Les furons qu'on dit qu'un nom de Kumamugura, ça. Regardez. Vous-même, regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez, regardez. Elle vit dans les microbes. Elle vit dans les microbes. Hein? Voilà. Hein? Voilà là où tout avait commencé. C'est elle qui était venue avec ça ici. Voilà. La voici. Donc, elle a mis bim. Vous savez, quand je dis aux gens que Mikal avait Dorcas, on peut caricaturer Dorcas avec tout. Voilà. Ça voulait dire, elle a une puissance de nuit là. Voilà ça, donc, toujours qui est devenu parapara. Quand vous voyez Dorcas ici, elle ressemble aux gens qui envoient les autres femmes là. Regardez. Là où tous étaient là. Hein. Mais mon ami, hein, c'est chaud. Tous va perdre raison ces jours-ci. Je vous montre les contenus NAS. Hein. C'est les contenus NAS. Parce que quand tu es contenu NAS, même l'enfant est contenu NAS. Voilà. Tu vois, vous voyez?
Vous voyez, c'est continuer NAS. Vous manquez les continuer NAS. Voilà les continuer NAS. Ouais. Et voilà. Vous allez lire le... Pastor. Big up, big up, big up, big up, big up. Big up, ça va? Ça va, Pastor. Il vient de rentrer, il ne comprend, je ne connais même pas le direct. Tu disais quoi, Pastor? Non, on a... c'est le troisième direct. On a déjà, c'est le troisième direct là. Ah bon? Mais nous sommes en guerre, milliardaire. Qui n'y habite? Ah oui! Et il y a des conteneurs dans salon ici américaine. Ok? Donc, Choco ici. Il dit que quand tu l'as fait, Lorraine Vaux était au plateau, mais quand on a sa coulisse, il dit que la gorge. Mais mon ami. Ah bon? Yo, il te dit, vas-y, parle milliardaire. En que temps, je me fais ma séance auto aussi là. Non, pas. Le problème, c'est que, bon, moi, je n'ai pas compris le problème, mais ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai dit, j'ai de la peine pour Maté parce que, tu sais, moi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre certaines choses, Pastor. Voilà. Du coup, il y a le comportement que quand tu affiches, ça prouve que même avec ta propre famille, tu te comportes de la même façon. Tu vois, Pastor? Oui. Puis donc, on n'a pas besoin, tu sais, parce que le comportement d'un être humain, hein, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller loin pour comprendre. Non, mais vas-y, parle, hein. Je manque les continents. Moi, je pense juste que, comme j'ai dit au début, Maté, ce n'est pas une fille mauvaise, mais le problème, c'est que Maté est tellement imbue de sa personne qu'il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, elle doit se calmer. Parce que les gens comme les Dorcas, Pastor, c'est les ampoules grillées. Tu vois, Pastor? Mm. Dorcas, c'est une ampoule grillée que tu ne peux plus rien dire à part Marx, parce qu'à part Marx, écoute ce que vous allez dire. Parce que par Marx, que tu vois, et Dorcas, ça veut dire que c'est les vieilles personnes, c'est les gens peut-être qui se connaissent même depuis l'école primaire, même si c'est des gens qui se sont connus jeunes, même s'ils ne se sont pas mariés au départ, même si Madoka ça fait les enfants d'ailleurs, si tu écoutes l'histoire de Pamba, c'est elle. Ça veut dire que des amis qui sont devenus un couple aujourd'hui. Tu vois, Pastor? Parce que Pamba, ce que tu vois là, c'est un monsieur qui est Pastor. Il s'en fout. Insulter le même mot, insulter même sa femme. Oh. C'est un monsieur qui s'en fout. Et moi, je connais les mamans. Les mamans, c'est les gens qui n'ont pas le temps à perdre pour les conneries. Tu connais les milliardaires? Oui, Pastor. 42 ans. Voilà. Regardez le coup d'Awa du Cameroun. Awa n'a plus de coup. Regardez. Awa, le coup est comme ça, dit comme le coup du porc. Hein? Donc, tu sais, regardez vous-même Awa du Cameroun. Les chroniqueuses. Les chroniqueuses. Milliardaire, vas-y. Je veux grignoter le GC. Non, comme je disais, non, Pastor. Oui. Et comme Maté, Pastor, tu te rappelles, je t'avais dit que j'ai une amie au Maryland qui connaît Maté, tu te souviens, non? Oui. Et elle est venue pour me parler de Maté. Elle lui a dit que moi, je n'ai aucun problème avec Maté. Je ne veux pas savoir ce que tu vas penser. Tu vas me dire de Maté. Tu te souviens bien, j'avais dit ceci dans ton live. Voilà. Et la fille est sur Facebook, elle nous suit. Quand Maté m'a insulté, la fille est venue me dire que c'est une fille avec qui on est sur TikTok, je vais te dire qui est Maté. J'ai dit à la fille que ça ne m'intéresse en rien vraiment pas. Donc moi, je n'ai aucun problème avec Maté. Maté, c'est une personne méchante. Elle est seulement invisible, mais elle n'est pas méchante. Tu te rappelles bien,
Non, elle est méchante. Elle est méchante. Non, je dis pas tout. À l'époque là, je ne. Ah, ok. Elle est méchante parce que, milliardaire, tu sais, la nature ne trompe pas. Tu comprends? Milliardaire, non, je sais que c'est à cause de sa maladie qu'elle est peut-être devenue méchante. Tu comprends? Toi-même, milliardaire. Toi-même. Hein? Le visage est si gentil là. Non, pastor, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que dans la vie, tu vois, pastor, oui. quand tu insultes tout le monde à jamais profiter à personne. Et moi, j'ai dit quelque chose à Marthe chez toi. Tous ceux qui approchent Marthe maintenant, c'est juste les gens qui veulent la pousser à bout pour qu'on l'humilie. Personne de ces gens ne l'aime. Mais ça a commencé. Personne de ces gens ne l'aime. Parce que je te dis quelque chose. Mais, Miradel, quand on lui dit déjà qu'elle est belle, hein, tu es magnifique, personne ne la voit, mais on lui dit ça. Elle est contente. Elle dit merci. Elle ne se pose pas même des questions que mais vous dites que je suis belle, vous ne me voyez pas. Hein? Belle comme tout, ça accepte. Pas le milliardaire, je mange, mais j'ai dit. Mais personne de ces gens ne l'aime. C'est juste parce qu'ils veulent pousser Marthe à faire les points avec Dorcas. Et Dorcas vient parler de Marthe et ça les arrange. C'est tout. N'oublie pas que elle a le soutien de Bertrand Tissouman et du Camel. Hein? N'oublie pas qu'elle a le soutien de Bertrand Tissouman et du Camel. Ah, Capasto, c'est les gens, c'est les personnes non grattes à la banque. Laisse-les là-bas. Marthe va les déposer. Est-ce que Marthe est une femme bête? Marthe va les déposer. Marthe, c'est une femme très intime. Une femme très. Elle va les déposer, Pasto. Crois-moi. Marthe va les déposer. Ne t'inquiète pas, Pasto. Tu comprends, non? Ils la supportent parce qu'ils se disent que Dorcas les a insultés, mais c'est des conneries. Marthe va les déposer comme un vieux colis. Parce que tu connais ta. Tu connais Marthe, non? Tu la connais, non, Pastor? Elle va dire après demain, elle va dire que Pastor, je m'excuse, tu es mon pasteur, je ne suis plus avec eux. Oh, ils ont voulu me détourner. Tu connais comment elle fait, non, Pastor? Est-ce que ça veut dire que Marthe fait ça? Même ma femme qui est là-bas, ma femme perd son temps. Il y a aussi ces manies que toi, là, c'est la carte de Ndolé Mignodo. Ça a raqué les nuits. Ça a raqué les murs partout, même chez Mafou. Je ne sais pas ce qui ne va pas aujourd'hui. Ah, moi, vraiment, dans les murs. Je n'ai pas ça. La position de les murs, on ne m'étonne même pas. Tu sais, Pasteur, je vais te dire quelque chose, hein, Pasteur. Tu vois, quand vous êtes les blogueurs là, non? Il y a des gens qui vous suivent. Maintenant, il y a des gens qui se rendent compte que vous ne les accordez pas la même importance qu'ils attendent de vous. Ils deviennent vos ennemis. Tu vois, Pastor. Un peu comme Marthe est venue te voir pour te dire de me claquer, de me prendre chez toi parce que wow, elle a vrai les étoiles. Tu lui as dit que fous-moi le camp, il ne m'a jamais rien fait. C'est ça le problème de certaines personnes qui viennent vous suivre, tu vois, Pastor. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que vous avez d'abord un cerveau. Toi, tu vas venir à Pasto de ne plus me prendre dans cela. J'ai rien fait quoi de boba à Pasto. Rien. Wow. Tu vas venir à me dire à Pasto, est-ce que moi j'ai un problème avec Pasto? Non. Est-ce que j'ai un problème avec toi-même qui viens dire à Pasto de ne pas me prendre? Non. Non, c'est normal, non, Pasto. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si ça aurait été les autres là. Ils allaient prendre l'argent pour t'humilier. Oui. Tu comprends? Oui. Et je leur ai toujours dit sur Facebook,
Tu ne peux pas venir sur Facebook et tu viens présenter aux gens que je suis riche, je suis ceci, je suis une condamnasse. Les gens vont aller fouiller ta vie. Sur Facebook, on ne présente pas qui on est. Sur Facebook, on est encore dans le vous. Même toi, tu te vends ça, passe tout. Chez Facebook, on est tous dans la même sauce. Dans le vous. Tu te vends quoi, passe le vous. Le vous, où c'est le vous? Sur Facebook, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est riche plus que l'autre. Nous sommes pareils. Parce qu'on est sur Facebook. On paye le même montant de la connexion. On paye le même montant d'aide. On a le même nombre de personnes qu'on suit. Donc, on arrête de souvent dire que oh, je suis riche, je suis ceci, je suis contenant. Personne n'est contenant sur Facebook. Si tu viens sur Facebook, vous savez que tu es déjà dans le game, dans le vous, c'est le vous, Max, c'est pour ça que tu ne vas pas. Mais, disons-nous, comme la vérité vivante, les vérités vivantes, tu vois le comportement qu'elle affiche là. Tu comprends? Je suis persuadé dans la vie réelle, elle aussi comme ça. Mais je vais te dire, elle est comme la qualité de fou là, que quand on réussit à calmer, à maîtriser, tu comprends? Ça se calme. Ça devient comme quelqu'un d'innocent. Est-ce que tu comprends? C'est ce que tu venais de dire là, que parfois, elle va devenir là, que oh, elle va changer. Donc, c'est la qualité que tu vis. Dès que tu mets face à ces erreurs, tu comprends, non? Voilà, ça se calme et ça t'écoute. Regarde, c'est Bécran sur ce monde. J'avais dit, j'arrive, elle a boit, beau, bien dit, bon, voilà. Si tu aimerais encore, avoir mon bonjour un jour, tu te calmes, je vais m'exprimer. Elle s'était calmée, elle était assidue. Hein? J'ai posé des questions, elle répondait. C'est pour ça que tout ce qu'elle fait, parce que moi, je ne veux pas parler, parce que je sais que Marc, c'est quelqu'un que. Dès que quelqu'un va parler, elle va se calmer. Ce qu'elle fait même pour elle-même, ce n'est pas bien pour elle. Qu'elle ne voit pas les choses, Marus venir là, profiter de son bloc, tu comprends, non, pour se faire voir. Alors que les mêmes choses, Marus, qui disent qu'ils mènent le combat, hein, les gens, on ne veut plus qu'on insulte les parties intimes. Mais Thérèse Chamal a insulté les parties intimes de maman Anna, sauvagement, sa bouche, son intérieur, son extérieur, tout. Devant Osmarius. Parce qu'on laisse les gens là, ils mènent des combats. Ils esquivent ça. Je vais vous sur le peuple élu. Osmarius ne te manque pas. Oui, non, bâti d'épaisseur. Tu vas le partir. Parce qu'ils ne mènent aucun combat. Laisse-les là-bas. Laisse-les faire le one-man show. Voilà les vrais Américains. Hein, je vais rechercher la dame. Hein, tu es qui? Milan. Mais, parce que ce n'est pas la même Marthe qui est venue ici, que moi, elle n'est pas les papiers. Tu te rappelles? Tu te rappelles, non, pasteur? Allez. Mito, elle manque beaucoup. Hein. Mais, Nelly Panza, elle manque beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est en train de la tuer, là, tu as vu, j'ai parlé. Ne parle pas. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, juste que je juge que je ne veux pas entrer dans leur game qui n'ont pas de sens. Mais sinon, la même mate est venue, je sais que je n'ai pas les papiers, non, pasteur. Tu te rappelles, non? Elle a commencé à dire la côte est, la côte ouest, machin, c'est monté, c'est descendu. Moi, j'ai fait quoi? Tu te rappelles ce jour, parce que j'étais devant toi. Oui, t'as dit ta côte est, biga. Mais il dit qu'elle manque beaucoup, hein. Mais. Et moi, comme je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour me justifier avec des gens sur les réseaux. Parce que dès que tu te justifies pour une chose, il va falloir te justifier pour toutes les choses.
Tu vois, non, pasteur. Voilà. C'est elle-même qui est venue ici, là. Et tout ce qui arrive à Marthe, c'est son comportement. J'ai dit, dans la vie réelle, je suis persuadé que quand son asticot commence à tourner, elle peut devenir comme ce qu'elle fait là sur Facebook. Tu comprends? Oui, pasteur. Aller jusqu'à insulter le tordine maman. Attends. Est-ce que ça va faire quoi, Flore de lui? Flore de lui, c'est une ancienne. C'est une ancienne grillée. Son demande, la question que moi je peux poser à Marthe, c'est que son demande qu'elle déteste Flore de lui, pourquoi elle ne peut pas répondre? Parce que Marthe a toujours insulté les gens sans même les connaître. Même moi qu'elle a insulté, son demande à Marthe que tu connais le milliardaire, ou elle ne peut pas répondre. Les gens disent que, oh, que Marthe, vous voulez que je l'appelle comment? Oh, bonne. Vous avez des problèmes, hein? Nous, on appelle ici la contouse. Moi, je ne veux pas entrer dans vos guerres de noms que vous donnez aux gens-là. Pourquoi je veux entrer dans ces guerres de noms? Moi, on la connaît sous le nom de Marthe. Et même si je veux passer un message à Marthe, pourquoi je suis obligé de l'appeler dans le nom que vous voulez? Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur d'elle, non. Mais c'est juste que c'est le respect. Pourquoi je veux donner son nom? Je veux donner un nom que je ne connais pas. Oh, pasteur. C'est ça le problème avec les gens de Facebook, parce que c'est que les gens... Est-ce que donner mon point de vue veut dire que je dois ancrer dans vos petits noms que vous donnez aux gens? Non. Donc demain, si je ne m'entends plus avec Pasto, je ne vais pas appeler Pasto. Parce que... Je ne vais pas appeler Pasto parce que vous avez les problèmes avec Pasto. Ou bien je vais commencer à dire... Je ne vais plus dire à femme, ma femme, parce que Pasto a les problèmes. Non. Si à femme, ma femme, on les problèmes, Pasto. Pasto va l'appeler Van Bruy. Moi, je l'appelle à femme parce que je m'en fous. Est-ce que ça veut dire que je à femme, vous avez vu ce que Tatiana Mimbanga dit? Ce que Tatiana Mimbanga dit, c'est ce que je leur avais dit depuis. Tatiana Mimbanga, même elle-même, elle connaît qu'en cause, elle connaît ce que je pense, ce que je pense d'Afam. Moi, je lui ai toujours dit qu'Afam, ma femme, ce n'est pas quelqu'un de clair. Que le jour qu'il va nous insulter, nous deux, tu vas voir comment on va. Tu vas voir comment il va nous insulter. Même quand on était chez lui, Tatiana est témoin, Tatiana, pas tout. J'ai toujours à Tatiana Kerr. Même comme on est chez la femme là, le jour qu'il va nous insulter, hein, il va oublier qu'on était chez lui, on était amis avec lui. Elle le sait, il n'est jamais caché. C'est un jaloux. Voilà. Et je leur ai toujours dit, la lionne n'a jamais clashé Pasto pour une seule raison. Parce que la lionne dit, elle sait que quand Pasto la classe, c'est parce que Pasto a un message à passer. Même quand je venez chez vous parce que vous clashez la lionne. Est-ce que je répondais? Non. Quand vous l'appelez Mbopi, j'étais à dire que je ne l'appelle plus Mbopi. Je l'appelais tout la lionne, non? Ben oui. Mais toi, tu l'appelais Mbopi avec les femmes. Est-ce que ça me dérangeait? Non. Ma relation avec... Moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les noms que vous utilisez pour appeler Thérèse, Marthe, non. Parce que ce que Marthe fait avec Dorcas, là, elles vont s'arranger. Et c'est nous qui aurons honte ici, là. Tout ce qu'on reproche à Marthe, c'est qu'elle doit se calmer. Elle exagère. C'est tout ce qu'on peut reprocher à Marthe. Tu ne peux pas engueuler tout le monde. Tu ne peux pas dépasser tout le monde dans la vie. Dans la vie, il y a tout quelque chose. Je te dis qu'elle va encore. 200 000 $, c'est même petit. Hein, pour soigner éducateur. Elle est malade. Moi, ce que je reproche à Marthe, c'est que tu ne peux pas engueuler tout le monde. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Tu ne peux pas dire que tout le monde, tu es mieux que tout le monde. C'est impossible sur cette terre. On ne peut pas être mieux que tout le monde, pasteur. Tu comprends, non? C'est tout. Et moi, vous pensez vraiment que moi, je suis fier qu'on ait mis que sa mère sur les réseaux à cause des erreurs de sa fille? Non. Et moi, je vais me le dire. Leur page même, hein, vous êtes à combien d'abonnés, hein? Donc ça voulait dire quoi? Vous êtes des Tinder, vous ne savez même pas, on vous utilise pour venir faire du sale, mais ils ne s'abonnent pas.
Vous êtes obligé de raquer les nuits, surtout Monsieur l'Obscurité. Depuis là, depuis, il faut aller supplier Gros-Nez pour que ça partage. Il faut aller supplier Médaloi pour que ça partage. Il faut aller supplier, raquer les murs derrière toutes ces femmes-là. Alors, à nous demander toutes ces femmes-là. Hein? Pourquoi ça ne s'aboute pas? Est-ce que les appeler par leur nom, ça veut dire que je cautionne leur comportement? Non. Je ne cautionne pas leur comportement, mais je ne vais pas les appeler par les noms que vous voulez que je les appelle. Parce que quand vous allez aller faire la paix là-bas entre vous, c'est maintenant moi que la personne va dire « Oh, tu m'avais appelé, oh, tu m'avais appelé ceci. » Est-ce que vous serez là pour défendre? C'est vous qui allez dire que nous sommes bipolaires. C'est toujours vous, non? Quand Pasteur Mou et son directeur dit que Lolo, le plus grand combat de Facebook, c'est Lolo et Flore. Vous nous insultez. Que Lolo ne peut jamais faire la paix avec Flore. Oh, voilà. Flore déteste Lolo. Lolo veut tuer Flore. Flore veut tuer Lolo. Aujourd'hui, les deux sont en paix. Vous avez maintenant, c'est toujours vous, non? Parce que tu te rappelles que nous, on disait ici tous les jours que le plus grand combat de Facebook, c'est Lolo et Flore. Oui. Les deux, là, quand ils vont faire la paix, il n'y aura plus rien sur Facebook à proposer. On a la preuve aujourd'hui, Pasto. Mm. Il y a encore quoi sur Facebook? Pasto, il y a encore quoi sur Facebook? Que les jaloux, les jaloux, les alors, gens qui n'ont rien à dire. Alors, Lolo et Flo, c'est les deux personnes de Facebook que quand elles parlent, quand elles ont les problèmes, tout le monde veut savoir. Aujourd'hui, il y a encore quoi sur Facebook, Pasto? Bien. Alors, même toi, ce que tu fais là, c'est seulement pour bavarder. Mais sinon, si tu pouvais fermer ton blog et ne même pas parler de ce qui se passe. Thérèse et Madoka, c'est qui? Sur Facebook. Comparé à Lolo et Flore. Je te dis quand. Alors. Lolo ah, et Angela Zeta. Son nom, c'est Kong Tinas. Il a dit que Angela, Lolo et Flo, c'est les deux personnalités de Facebook reconnues partout dans le Cameroun. Quand on veut parler de nos des blogueurs camerounais, on parle de Lolo et de Flo. Le reste, c'est les gens qui viennent seulement se promener. Il veut manquer ta ceinture si là jusqu'à je serai fatigué. La ceinture, tu vas danser avec une femme. Tu portes un, tu regardes une ceinture. Quelle est la différence entre celle que tu manquais l'autre jour, que tu appelais ceinture? Vous allez voir. Et ça. Pasto, vous allez voir la différence. Pasto, vous allez maintenant voir la différence entre Lolo à une soirée avec Flore et Compressor le 2 novembre. Vous allez comprendre ce que c'est que une soirée. Ouais. Compression n'est d'abord aimé par personne. Je ne suis pas en train de l'insulter. Voilà. Compression n'est aimé que par les gens qui détestent Flore de Lille. Et Lolo. Compression n'est aimé par personne. Je vais vous prendre un exemple simple. Voilà la mère de Loïc, Guylaine Chapin, qui avait des problèmes avec Lolo. Dès que Lolo se considère avec Flo, elle a dit qu'elle laisse tomber ses problèmes avec Lolo parce que. Voilà. Parce que son problème, ce n'était pas qu'elle avait des problèmes avec Lolo. Vous n'avez pas compris. Son problème, c'était qu'elle était fâchée que Lolo attaque Flo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et moi, pareil. Moi, je n'ai jamais voulu que Lolo et Flo fassent des problèmes. Parce que nous tous, nous sommes quand même des êtres humains. On sait que Lolo et Flo peuvent aller très loin ensemble. Parce que Lolo et Flo, c'est un amour vrai. Compression, personne ne l'aime. Personne. Non, mais elle a toujours affiché ses mauvais comportements-là, comme si, il ne sait pas, comme si elle ne vivait pas parmi nous, quoi. C'est comme si elle, hein, et en plus, apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi reconnaissante. OK? Voilà. Et apparemment, il y a des personnes qui étaient vraiment là pour elle, mais quand ces gens-là disparaissaient, elle ne faisait jamais si. Tu vois, toujours avec son esprit de bimba. Moi, je n'avais jamais aimé le truc-là. Surtout quand
Elles ont commencé à aller, je sais pas. Le terminus, c'était au restaurant Mandela, à Brest, là-bas, là. Hein? C'était toujours froid, tandis que, imaginons quelqu'un était là, voilà, en plein jour, un peu de partout. Elle était toujours dans position, là, comme si... Et en plus, quand les deux partaient quelque part, par exemple, Flo fait une sortie, mais quand Petit Maliba venait faire sa sortie, sa concrète les dit, si Florelie a dit que le Versi était bien, elle va venir dire que non, le Versi, hein, Mako a dit que c'était bien, mais hein, tu comprends, c'est comme ça, là. Allez écouter les remembers. Pasteur, la lionne peut te dire la vérité. Si la lionne vient témoigner, depuis des années, la lionne connaît que même quand Compressor a fait la paix avec Flore, j'ai toujours dit à la lionne que Compressor est fausse. Compressor est jalouse de Flore. Compressor n'aime pas Flore. Compressor, c'est le diable en personne. Ce n'est pas pour la saboter. Tu comprends, Pasteur? Il y a des gens qui sont nés comme ça dans la vie. Ils n'aiment pas voir les gens heureux. Moi, j'ai grandi comme m'a appris qu'il y a des gens qui sont nés comme ça. Ce n'est pas eux qui font. Compressor ne fait pas ça exprès. Compressor n'aime pas voir les gens heureux. Tu comprends, Pasteur? Et c'est sa part de karma, de totem qu'elle porte depuis sa naissance que Dieu a donné. La preuve en est, Depuis allons, faisons le bilan de Compressor. Il y a quelle amitié sur Facebook qu'elle a gardée? Il n'y en a pas. Même avec Michel et Soma, ça avait pété ici un temps là-dedans. Alors, Elle était encore partie lécher. Non, mais ça ne vaut pas la Compressor a peine, tu insulté comprends? ta mère ici. Et tout le monde que Compressor insulte, Pasteur, est-ce que Compressor Oui. les vaut? Je dis, est-ce qu'elle les vaut? Non. Compressor ne les vaut pas. Il faut qu'on se dise les vérités, Pasteur. Elle a écarté dans les camions, ok? Comme les Okringa. Les Okringa, au moins, sont concrétisés, tu comprends? Je continue à dire, même dans la République, là, dans le gouvernement, là, il y a l'agent du Ouakala dedans, ok? Oui, Il bien y en a sûr. qui ont des diplômes avec cet agent-là de leur soeur ici en Bengue. Tu comprends? Oui, pasteur. Et beaucoup, beaucoup ont des patrimoines au pays. Mais pour elle, partait où? Voilà ça. C'est comme ça partait la grosse bouche blessée avec des Fayman. Hein? Tandis qu'un camarade dans le camion, elle prenait cet argent-là, sponsorisait le fric. Et c'est pour ça que ça allait colo corps maintenant la cour, président, mon président, mon président. Pasteur, Oui, pasteur, oui, moi je oui. connais beaucoup de Féman. Tu sais comment le Féman vit, non? Il donne à gauche, il ne vit pas à droite. Oui. Parce que le Féman, quand le Féman ne t'aime pas, mais il sait que tu es une femme qui est prête à tout, qui peut tout faire pour qu'il ait son argent, il te Oui. garde à côté de lui. Mais ce n'est pas Oui. qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Tu es là comme un appât. Voilà. C'est comme ça le Féman. Le Fémin ne t'aime pas. Le Fémin a toujours sa femme que c'est elle qui a mot. Mais il est avec toi parce que c'est grâce à toi qu'il peut avoir les numéros. Comme ils disent souvent, les numéros. C'est tout. Et maintenant, Pastor, le fait que le Fémin reste à la maison avec toi 24 sur 24, il sait ce qu'il cherche. Non, mais franchement, milliardaire, moi, heureusement que moi, j'ai le coup d'œil, je vois de loin. Moi, les hommes là sur la toile, là, franchement, hein. Quand je vois ma femme aujourd'hui dit que oh, si tu mets ta mère sur Facebook, je ne monte plus dans ton live. Oh, tu veux soutenir quoi, ma femme? Tu veux soutenir quoi? C'est toi ici qui soutenais la reine galloise il y a de cela quelques jours. Voilà. Tu vois comment il Nous, on a vu comment c'était la reine galloise. Aujourd'hui, c'est toi qui trouvais que la reine galloise est. Toi qui veux la lumière. Voilà. Il dit que le gars, ça ne va pas dans la tête. Je comprends pourquoi il se cache. OK?
Je comprends pourquoi il se cache. Il n'a rien dans la ciboule. Il passe le temps à jouer à la récup un peu de partout, hein, à tricher les concepts des gens. Le gars vient là. Hein. On peut peut-être croire que celui-ci, alors qu'il passe le temps à jouer à la récup partout. Le pasteur Tondé où? Comme tu passes le temps, toute personne que tu as connue derrière moi, tu pars raquer les murs. Tu raquais les murs. Le pasteur Tondé où? Hein? Il t'avait aussi fait des reproches que non, tu avais une hein? Dis-moi, parce que quand on te fait les reproches, tu arrêtes de publier, de partager. Pauvre petit moribond. Il dit, moi, je regarde. J'ai dormi, regarde, hein, toute la journée, il a plu ici, toute la journée, j'ai dormi jusqu'à 20h30. Voilà. 20h30. Maintenant, je vous allume propre. Tu as pris celui-ci. Hein? Tu dis, va, montre-toi, entre-temps, quand celui-ci est en train de démontrer sa frustration. Tu rigoles. Tu rigoles. Regarde, regardez celui-ci. Regardez, regardez sa calvitie. Regardez, regardez. Tu es même venu faire quoi ici? Tu ne pouvais pas aller à l'armée au Cameroun, au Marius, et défendre tant le Cameroun. Hein? Non, au Marius, tu es venu faire quoi en Bégué? S'il t'es pas. Hein? On dit même que beau, ça dit non. Tu es venu faire quoi? Ici, tu ne peux pas aller dans la mer au pays. Hein? Moi aussi, j'y vais aller en Bégué. Te voilà aujourd'hui, tu es à Palapala, dépressif, depuis que tu avais été hein, révoqué. Tu es le seul là sur la toile qui sort le tuer à chaque fois. Quand on te met aux côtelettes. Mais c'est toi qui dis que tu es Barracuda. Hein? On te voit avec un gros derrière de Jim Aïe. Voilà, un Jim Belé. Hein? On croit peut-être qu'on a affaire à quelqu'un, à un protecteur, alors que c'est Fiota, 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 Fiota. Vous me ou pas, Balena, Cachalot, Foc, Éléphant de mer, alias Orisha. Orisha, je n'étais pas encore dit que. Hein? Quand tu viens, quand tu réapparais, ok, n'oublie pas que je te donne toujours ta Nivakine. Donc, je vais encore remettre ta photo demain, je vais te mentionner. Orisha, les gens comprendront pourquoi tu dis que oui, tu es aussi contenu Nas au noir. Soyez un peu que les sortez. C'est pour ça qu'on rigole de vous. Nous, on rigole de vous. Parce qu'une vraie contenance. Nous avons vu les Américains ici. Hein. Une Lolomagnan et une Bandunaise. Nous. Contenance. Tu n'es rien du tout. Tu es nier. Je te montre encore. Contenance. Regardez, regardez le macrocéphale. Regardez. Hein? Il est là comme Tommy. La personne que tu montres là, c'est qui? Ouais. Parce que la personne que tu montres là, c'est qui? Mais c'est Ous Marius. C'est même qui, depuis que tu parlais depuis, c'est qui même? C'est quelqu'un, il est dans le RDPC. Mmh. Voilà, et il insulte les tons de maman des gens. Mmh. Et les enfants des gens. Et après, il sort là. Ah, il est membre du RDPC. Oui. Ah, il est membre du RDPC. Voilà. Mais il a été viré de partout, même de boutique. Si tu vois de boutique, il est viré celui-ci.
Ah bon? Oh, un Angois viré, du Cameroun viré, moi-même j'ai viré. Et donc, c'est obligé de partir mentir, voilà, toujours que oui, elle est continent nas. Et en retour, continent nas dit aussi que oui, il est continent nas. Donc, ce sont les continent nas. Voilà. Ouais, Ce sont, mais voilà le patron, donc. Tu sais, il dit, c'est lui le protecteur, voici le protecteur des continents. Pato, mais c'est toi qu'on doit en vouloir avec l'affaire des gens, c'est à femme à femme là et Non, ta et mais non, et non, non. parce que c'est chez toi qui les a formés. Non, je n'ai formé personne. J'étais là. Ça me nettoyait mon élan. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il dit, non? Il y avait une inscription. C'est comme là, par exemple, milliardaire. Ça veut dire Oui. quoi? Si toi, tu crées ton blog demain, tu vas dire, on va dire quoi? C'est moi qui t'ai formé. Parce que Non, tu étais. c'est juste une façon de dire que c'était des Je élèves. sais. Après, ils ont Je fini. sais. Non, mais Après, est-ce que je suis dans alors comme ça? Non. non, jamais. Est-ce que tu me vois aller fouiller dans les vies des gens? Non. Est-ce que tu me vois quand moi j'ai dit, tu comprends, quand je crête, il ne veut pas venir nier que non, je n'ai pas fait. Tu comprends? Voilà. Vu que moi-même, je crête moi-même, j'insulte moi-même dans mes propres directs. Hein? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a que quelqu'un qui ne peut pas, qui ne te connaît pas, qui doit se fâcher de toi. Hein? Qu'est-ce que j'avais fait ici, milliardaire? Rien du tout. Rien. Regarde. Juste parce Quand on que me regarde, c'est tu non. arrives, je ne veux pas que tu me dises de ne plus parler avec milliardaire, il y a quoi? C'est normal ça là. C'est normal que hein, une femme, hein, il n'y avait pas eu décès. Il n'y avait pas eu vraiment un truc de grave. Comment elle peut se retrouver comme ça là? Mais le problème, c'est que, Pasto, moi, je suis sur le blog. Est-ce que tu m'as vu offenser quelqu'un un jour? Non, non. Alors, vous avez insulté même la lionne là devant vous. Si la lionne, c'est une fille qui était rentrée, elle pourrait dire que non, on m'insulte dans les lives, tu montes. Les gens qui... Est-ce qu'un jour la lionne s'est fâchée que non? Vous m'insultez, on m'insulte le milliardaire à côté. Vous avez insulté la lionne devant. Est-ce qu'un jour la lionne s'est fâchée, Pasto? Regardez le lot, regardez le lot, là. Celle-ci, je ne sais pas, le jour où on va prendre une bonne image de celle-ci. Je ne sais pas. Regardez la nuque. C'est La qui? nuque est comme un roussi. C'est qui là-bas, Pasteur? Hein? Milliardaire. Mais regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a, milliardaire? Tu veux seulement prendre le piment dans ma bouche. Regarde. C'est Non, qui je ne ici? connais pas qui c'est. Ne vois Mais pas bien. c'est mettre dans la loi, non? Ouais, Pasteur. Regarde Il n'avait pas bien vu la photo. Et je dis que Milanès m'a dit, et je dis que quand il dit que c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble, c'est-à-dire ils ont presque le même profil, tu comprends? Les mêmes têtes. Pasteur, celui qui te demande, je vais te dire quelque chose, Pasteur. Oui. Vraiment, il faut beaucoup conseiller Marty là. Parce que là où elle est en train d'aller, là, elle est perdue. Mais je conseille en même temps, je lui mets Oui, ça là où il il faut la faut. claquer, mais en beaucoup la conseille. Parce que je ne vais pas te mentir, parce que Marthe écoute beaucoup ce que tu dis. Elle fait seulement semblant devant les gens. Regarde celle-ci. Celle-ci, apparemment, elle a lu les cartes pour Loulou. La dépression. Ouais, la bêtise continue. Comment va-t-il la Wafou? Et celle-ci, tu connais? Non, je ne vois pas, il va seulement les dents. Mais tu ne vois pas la photo. Non, on ne voit pas bien la photo quand tu mets comme ça. Ah bon, vous voyez? Ça, c'est pas Dolé Miondo. Voilà, Awa. Bon, peut-être que tu... Attends, attends, je t'ai fait écouter quelque chose.
dit que ces derniers temps, j'étais très occupé. Comme je vais aller au pays bientôt. Même comme on a dit qu'il n'y a pas les papiers. Qui ça? Mais c'était pas mal qui avait qu'il n'y a pas les papiers, parce que tu te souviens pas. Je vais te faire comprendre. Je vous jure sur la tête de ma fille. Nous terminerons à Paris demain, j'arrête mon travail, je m'en vais habiter à Reims. Ça, c'est qui? Écoute. Je vais te dire que descends. Moi, voici donc sur toi, descends. Pardon, laisse celle-là. Celle-là, c'est qui là-bas? Mais tu as demandé où est-ce que non? Oui, Aka, ça, c'est la veille. Aka, pardon, Pastou. Regarde la faute, hein, l'erreur. Hein? Si c'est appelez-moi les autorités françaises. Alors, ma bâche a fait bing. Les autorités, une autorité. Ben, voilà, l'école de ça. Ça veut dire que la femme qui prononce le nom de la dame là tous les jours, tu comprends, non, pastor? C'est parce que je ne veux pas parler. Et t'as vu que c'est la dame là qui a mis mon faux travail. C'est une maman qui elle ne gère pas les détails. La maman là est fan de Lolo Foja et de Flor Denis Hoha. Je parle et j'assume ce que je dis. Voilà. Tu comprends voilà. Pas tout. Oui. Je connais la maman là bien même. Voici les vrais veillés ici, les vrais bandes de clichés. Je ne veux pas donner la maman est aussi. Laisse-moi les histoires qu'elle vient bavarder la pastor. Elles n'ont rien à dire. Tu vois, les gens comme ceux-là ou pour nos pastors, c'est les gens que Mbenga a dépassé. Elle veut rentrer au pays se racheter. Maintenant, elle cherche peut-être, elle se dit qu'elle peut trouver un vieux ministre. Non, ça ne peut pas durer. Qui va la prendre même comme troisième femme? Ah bon? Je t'ai dit non. Il y avait quoi avant? Rien. Pas tout, rien. Il n'y avait rien avant. C'était le vent brûlé. Je te dis que. Parce que je t'avais dit ici là que. Oui. Est-ce que les ministres font leur image à n'importe quoi? Un mec a mis parti, il a vu la goutte, il est parti, il est rentré, non? Il te dit que la honte de ça. Qui insulte l'État aujourd'hui, pastor, plus que Ahmed Kamel. Ce n'est pas le même Ahmed Kamel qui nous a dit que le ministre est venu chez lui à la maison, pastor. Il te dit, et n'oublie pas que il avait menti, parce que quoi, il avait publié la photo avec le monsieur, tu comprends? Et le lendemain, ok? On avait demandé à Mec Ahmed de retirer voilà, la photo. Parce que voilà. Le monsieur n'était pas parti pour ses fermes. Le monsieur était de passage. Comme c'est un profiteur, il s'est filmé avec le monsieur. Après, il part faire un gros pose comme si le monsieur était parti uniquement pour lui. Mais je te dis qu'aujourd'hui, il en veut, non, pastor? Il était là que Bruno Bidjan et les autres. Voilà. J'ai vu là, Ducamer a publié un extrait là où il parlait de sa sublime au pays. Pourquoi il est revenu en France? Alors que quand il était revenu ici, là, il tenait les discours qu'il est venu chercher si c'est les sponsors. J'ai dit que, regardez, j'ai mon téléphone ici, l'écran, tactile est bloqué. Et donc, c'est le réveil là, depuis ça sonne là. Je ne peux pas éteindre le téléphone, je ne peux rien faire. Non, quand ça va se décharger, tu vas gérer ça. Voilà. Donc, il faut seulement que la batterie bolle, comme tu vois là. Et c'est dans ce téléphone là, que j'ai tout, même les trucs de téléphone, tout que tu vois là. Tu comprends? Est-ce que les personnalités. Voilà. Voici ça, voici le téléphone là. C'est là où il y a tout. Tout. Tu vois, il y a les appels en absence même. Je ne sais pas. Ça fait quoi, 32 jours. Hein? Les gens.
Parce que est-ce que les personnalités s'affichent avec les gens comme ça au hasard? Non. Et une personnalité représente un État. Voilà. Parce qu'ils vont s'afficher avec vous. C'est le boucan. C'est le boucan, tu comprends, non, milliardaire. Oui. Il dit sur la toile, les gens n'ont pas honte de mentir. C'est comme celle de Orisha Kachano. Avec tout ce qu'elle a déjà eu à vomir ici, avec tous ces gros tigres-là. Hein? Vous voyez des personnes en manque de confiance qui sont au noir. Voilà. Les vraies femmes font comme nous avons vu aujourd'hui. OK? Voilà. Toi qui veux venir à Bobo, sors. Hein? Celle d'Adisa Mariès. Tandis que là où elle doit même manger la jambe, porter plainte à Boligo, à Wayous. Elle ne porte pas plainte. Elle ne porte pas plainte. Parce que Adisa Mariès, elle avait reçu la petite bouteille de Guinness au LAS, tu comprends? Voilà. Parce que comme ces femmes-là, quand elles sont un peu, elles ramènent leur gueule. Elles ramènent leur gueule. Ouais. Elles ramènent leur gueule. Donc là-bas, là, à Suresnes, quand tu vois celle d'un casse, elle est toujours là où elle peut profiter et mettre les toits dans les lasses des autres femmes. Donc à 10 ans, Marais, elle croit peut-être que parce que elle avait, c'est elle qui avait consolidé les champagnes. Hein, elle allait les quitter de tout et de rien se vanter devant Mouvre. Elles ont puni à 10 ans, Marais, je te mens pas. Bitouma, il dit que Bitouma avait fait ça dur à 10 ans, Marais, je te mens pas. Ah bon, oui. Bah oui. On avait touché à 10 ans mariage, il te manque pas avec la petite bouteille de Guinness. Sans lubrifiant. Je te manque pas. Oh, les autorités. Quelle autorité va se ficher avec vous? Arrêtez de déranger les gens. Vous pensez que les autorités là sont les fous? Quand vous voyez une bande de malades, regarde, celle la Solène, hein, Solène Saïrienne, à 10 ans mariage, des toxicos, il dit que des gars qui se piquent. Et comme elles ont la chance qu'elles ont eu les vieux moukala là, hein, ça va là-bas là, Solène. Oui, ça baille les champagnes, wow. Et ça voulait ramener la gueule comme si ça dépassait les autres gars là. On avait fait ça dur, même aux escaliers. Quand vous avez, il y a une là, on avait volé aux escaliers, assurance, c'est elle. Mm-hmm. Voilà. C'est à 10 ans mariage. Et puis ça, vous voyez, hein, elles sont là, les déclarations, déclarations. Et après, ça disparaît quand ça prend au côté d'être. Bon, milliardaire. Conclue alors. Attends, je nous mets mon voisin, et après, on va se quitter. On a là beaucoup. Ça, c'est peut-être le quatrième direct. Hein. Pas tout. Elles vont seulement disparaître que parce que, comme je dis toujours, les autorités, c'est les gens qui servent l'État. Ils ne servent pas les personnes. Tu comprends pas tout. Une autorité, c'est un État, pas une personne. Il fallait que chacun dise que l'autorité sert une personne. C'est que les gens ne gèrent pas les autorités aujourd'hui. C'est que l'autorité gère son enfant. Mais quand tu as grandi au milieu d'une autorité, tu comprends que l'autorité, c'est l'État. Et je vais te dire, comme je dis toujours, pasteur, quand tu as un parent même qui est dans le gouvernement, il te dit que quand tu vas chercher les problèmes, tu l'appelles, tu comprends, non, pasteur? Oui. C'est le premier à te dire que, à dire aux gens qu'enfermez-le, je ne l'ai pas envoyé quelque part. Tu comprends, non, pasteur? Oui. Toi, maintenant que parent, parce que si ta fille vient te dire demain que, oh,
parce que telle personne a été insultée. Tu vas demander à que tu fais d'abord quoi sur Facebook quand tu insultes, vaut ou faux? Ah oui. Alors. Depuis des années que vous êtes sur Facebook, on n'a jamais enfermé personne. Oh, je vais te faire des problèmes. Oh, je vais te faire enfermer au Cameroun. Quel Cameroun? Je te dis que... Cameroun qu'on connaît là. Je te dis. Vous pensez que le Cameroun c'est pour une personne? Vous m'amusez. Sachez déjà que quand tu ne touches pas l'intégrité de l'État, l'État s'en fout de vos petits connus que vous faites là. Vous pensez que le Cameroun va venir enfermer quelqu'un parce qu'il t'a insulté? Alors que toi, tu es sur les réseaux, tu insultes les gens. Ah non, Max, c'est le chargeur. Le chargeur est en train de glisser. Tu sais que... La seule chose qui peut faire qu'une information soit en enferme quelqu'un, il faut qu'on se rassure que toi, tu n'es pas sur les réseaux et que la personne a amené ton nom sur les réseaux. Mais tant que tu es sur les réseaux, non, mon ami, on va comprendre que c'est encore vous là-bas. Allez gérer ça, aura. C'est pour ça que la fille qui a porté plainte à Lolo là, elle pouvait gagner si elle n'avait pas amené Lolo sur les réseaux avec tous ces gens-là. Une fois que tu amènes Lolo sur les réseaux, l'État va comprendre que tu veux détruire son image. Ils ne sont pas bêtes. Donc vous pensez que les Camerounais, la police, ce n'est pas les êtres humains. Comme c'était là où on dit que oh, la première dame, M. Baganguele, le père, on a fait ceci. Oh, on a insulté la première dame. La première dame, on a insulté les premières dames de tous les pays du monde. Elles n'ont jamais porté plainte à quelqu'un. Vous voulez que vous voulez mettre Chantal bien dans les problèmes ou quoi? Elle a ses poèmes personnels. Donc c'est elle que tu veux mettre dans tes bêtises de poèmes avec Lolo. Je dis que... Elle t'a envoyé sur Facebook. La première dame vous a envoyé sur Facebook. Toi, tu prends ton téléphone, tu télécharges Facebook, tu décides d'être sur Facebook. Après, tu veux que la femme de cuir vienne vous gérer vos conneries de problèmes. En que tant c'est une mère d'enfant, c'est une grand-mère. Elle a ses points familiaux avec ses enfants. Vous voulez qu'elle vienne gérer vos détails de problèmes, vos problèmes qui n'ont ni tête ni queue là même. Donc vous croyez vraiment que la première dame est là pour écouter. Quand vous l'insultez, même elle rit. Vous pensez que c'est propre les enfants qui ont la maison, ils n'insultent pas. Vous pensez au nom de personne qui n'a jamais dit à sa maman que maman ne me dérange pas. Donc vous pensez qu'elle a fait un staff qui lui dit que bon, maman, ici là, ne mets pas ta bouche. Mets ta bouche ici, ici, ne mets pas ta bouche. C'est ça qu'on appelle être une première dame. Tu as un bureau qui s'occupe de toi. Donc, vous pensez qu'elle va se lever. Oh, c'est là où on va dire qu'on t'a insulté, va porter plainte. Oh, telle personne dit qu'on t'a insulté, va porter. Vous êtes malade. Un gouvernement ne fonctionne pas avec les émotions. Un gouvernement fonctionne par intérêt. Là où il n'y a pas leur intérêt, ils n'ont rien à foutre. Voilà. Mettez ça dans vos ciboules. Un gouvernement fonctionne par intérêt. L'intérêt d'enfermer Lolo, à quoi? La première dame ou bien le gouvernement camerounais, à quoi d'enfermer Lolo? Leur intérêt, c'est quoi? Ok, milliardaire. Non, parce que j'ai compris. Un gouvernement fonctionne par intérêt. Un gouvernement ne fonctionne pas par émotion, mes chers amis. Donc, arrêtez de penser qu'un gouvernement va porter plainte à quelqu'un par rapport à vos histoires. Jamais.
Accra. C'est le bruit. Toutes les grosses déclarations que nous avons toujours, il y a là sur la toile, non, ne sont jamais allés nulle part. Tu comprends? Il ne faut pas les écouter. C'est le match vu et consort. Et moi, je veux continuer à les faire passer ces messages-là, qu'elles ne sont rien du tout. Voilà. Même les études. Elles ne sont rien, non? Même les études qu'elles peuvent dire que oui, elles ont fait des carnets scolaires de 25 ans. Hein? Appelez-moi toutes les autorités françaises. La magie. Je te pose une question. Oui. À 50 ans, on parle encore des études. À 50 ans, on parle d'une carrière professionnelle. On ne parle plus des études. Voilà. Parce qu'à 50 ans, est-ce qu'on parle encore des études de pasteur? On parle d'une carrière professionnelle. Tu as fait quoi dans la vie? Quelle était ta carrière professionnelle? Voilà. Parce que tu as vu dans le programme de quelqu'un, du deuil de quelqu'un, qu'on dit qu'à 50 ans, il a fait l'école. On parle de ce qu'il a travaillé durant sa vie. Voilà. Le nombre d'enfants. Que Wafo vient nous parler de sa carrière professionnelle. Elle travaille quoi? Elle est qui? Elle vit où? Apparemment, elle a arrêté le travail. Hein. Elle a remis son caïman. Parce que si elle est, c'est un travail périodique, non? Elle est CNE, non? CNE, elle est Certified Nurse Assistant. Elle est aide, vous appelez ça là-bas aide soignant, non? Bah, un peu comme ça. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc, Wafo va parler de l'école à quelle année? Alors, si Wafo doit nous parler de sa carrière professionnelle, parce qu'en temps normal, pour son âge, elle doit être au moins à 20 ans de service. Wafo le doit même se rappeler l'époque où elle a eu le bac et la licence et le master. Ou bien c'est pas ça, pasteur? Bah oui, c'est ça. Alors, si Wafo doit nous parler de sa carrière professionnelle, tu fais quoi? Tu as commencé à travailler en quelle année? Quelle est ta carrière professionnelle? C'est ça, c'est pas là. Pour qu'un jeune prenne exemple sur toi, c'est tout. Elle se fatigue. Comment elle ne va pas se fatiguer? Il dit que sa voix va partir. Parce que quand elle parle, elle aboie comme moi aussi, comme ça. Là. Hein? Sa voix est partie la dernière fois. Elle va aboyer. Parce que si elle baisse le niveau, quand Dorcas va commencer, parce que Dorcas a dit, elle met bam, elle part en forêt. Et après, quand elle revient, bam, bam, elle repart en forêt. Si la bêtise persiste, elle revient encore, bang, 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 bang. C'est ça. Bah oui. Tu vas faire les directs. C'est ça qui est la vérité. Sinon, tu vas perdre le combat. Fais les directs. Ah, c'est ça. Toujours, alors que tu souffres dans la tête. Donc depuis là, tu voulais enfermer la lionne. Hein? Toi-même, tu ne peux pas mettre les pieds au Cameroun. Ça allait se passer comment? Tu allais donner les sous, comme d'hab. Hein? Tu es là, t'as pas. Hein? Tu vois? Ça finit toujours. Ouais, ça finit toujours. Ça finit toujours. J'ai fait la dernière séance photo et après, les gens vont aller dormir avec le sourire. Comme vous êtes comme ça. Et vous, je vais vous cac-cac. Toi, quand tu vas te réveiller tout à l'heure, tu viens d'avoir ta calvitie et ta tranche. Voilà. Une hête en trapèze. La honte de ça. Maté.
Voilà. Celle-ci, alors, c'est la magie. Je vous montre, vous les contenez là. Celle-ci, c'est la magie, mes gens. Ça, ce n'est même plus la rigolade. C'est même à la sorcellerie. Regardez comment ces femmes se transforment. Hein? Parce que, ouais, Seigneur. Ouais. Regarde. Et Zoé. Zoé, tu ne peux pas conseiller maman? Hein, Zoé? Zoé, il faut dire quelque chose à maman. Speak for your mother. Ok? Voilà, speak. De chuter les enfants de Tokamamougou. Celle-ci, quand vous regardez la nuque, regardez la nuque et vous regardez le cou. Ben là, regardez. Hein? Celle-ci, c'est la magie, je ne sais pas. Hein? Ouais, la femme-ci. La nuque est en tout temps. Ça dit le cou, c'est comme le cou d'un dindon. N'en parlons pas, alors maman n'a tout dit. Ben là, elle est là comme Barbie, à vous-même, 42 ans. Regardez, une baratte. Toujours ici, tu souffrais. Je comprends la période ici, c'est là où tu touchais les gens à l'ascenseur. Regarde toi-même. Regarde, tu es là comme dans les films d'exorcisme. Voilà, d'exorcisme. Regarde. Regarde-toi, regarde, toujours tout. Regarde, les furons que tout est mélangé. Vous êtes entre vous là-bas. Celle-ci, elle a le cou. Vous connaissez les groupes porcs là. Regardez vous-même. Regardez le cou. Aîné. Voilà les gens qui disent que oui, les fleurs doivent quitter Facebook pour rester avec ça. Qu'est-ce que notre toile va devenir? Regardez celle-ci. Elle fait des cartes. Regardez. Des monstres. Regardez. C'est pas possible. Regardez celle-ci. Regardez les yeux à l'intérieur, la stamania de ça. Regardez les yeux à l'intérieur, la stamania de ça. Ben Ngwabi. Donc, mes gens, je vous souhaite un bon dodo. Voilà. Moi, je veux dormir là. Je veux dormir. Et c'est que je vais me réveiller à 11 h en homme. Je ressemble aux Éthiopiens et aux Indiens. Je suis sûr que ta maman a coulé. C'est ça. Ah bon? Attends, je regarde un peu ça de près. Attends, je regarde ça de près. Ouais. Je veux dormir cette nuit-ci. Le téléphone ne veut pas s'éteindre. Rien. Regarde. L'écran tactile est bloqué. C'est vrai. Quand même vrai. Hein? Non.
12 août. Ouais. Si j'ai à bien regarder. Ouais. C'est parti donner. Ouais. Ouais, 12 août. J'ai quand même pitié de toi. L'ONU de Christ que tu as alors sur la terre, là, c'est la magie. Est-ce que ça, là, ta perruque, là, je ne sais pas si c'est. Hein? Regardez. Ouais. Jouer, s'il te plaît, va faire câlin, maman. Va faire câlin, maman. Elle souffre. Elle aime seulement venir nous dire que oui, elle t'a fait à manger, elle t'a fait ceci. Zoé, est-ce que tu ne vois pas comment maman est en train de partir? S'il te plaît, Zoé, je sais qu'apparemment tu as 12 ans. Hein? Va poser ta tête comme tu poses ici là à maman. Dis, maman, je t'aime. Ne cherche pas l'amour là-bas, là dehors. Hein, Zoé? Faut lui dire, elle souffre. Hein? Zoé a quand même le sourire. Hein? Ouais, Zoé. Hein? Tu as quand même l'âge, voilà que tu vois maman qui a que de péter. Est-ce que tu dors même, Zoé? Tu dors, Zoé? Zoé, tu dors? Tu arrives à dormir? Hein, quand tous te. Hein, tu fais comment? Tu ne somnoles pas, voilà, à l'école? S'il te plaît, Zoé. Zoé va faire des câlins à maman. Rassure maman que oui, il n'y a que toi pour le moment qui peut l'aimer. Même sa propre mère ne l'aime pas avec ce qu'elle a fait à Dorcas. Voilà. Ouais, Zoé. Zoé. C'est perdre complètement la tête. Qu'est-ce que tu vas devenir? Zoé, va donner l'amour à maman. Dis-lui que hein, maman, les gens là te trompent. Voilà. Si tu perds la voix, si quelque chose t'arrive, il n'y a que moi qui va couler les larmes à grosses gouttes. Zoé va faire câlin. Mais j'en ai pense à non, nous sommes quand même des êtres humains. Parce que quand tu vois. Voici Zoé. Regarde. On tous, elle l'aime. Regarde, tu vois. Elle l'aime quand Zoé a mis la tête sur l'épaule. Regardez. Elle est aussi là comme une mère responsable. Ouais, Zoé. Zoé. La montée, Zoé. Voilà. Pour celle-ci, n'ai jamais pitié. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu une gars qui râle tout le temps. Elle est toujours en train de râler. Et quand elle râle, elle devient niais. Regardez. Ouais. La nature. La nature. Ouais. Mes amis, Nelly Panza, regardez seulement le menton. T'as dit, je ne sais pas ce que l'angassia au menton, regardez. Attendez. Ouais. Regardez. Regardez, regardez. Regardez, 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 regardez.
C'est pas possible. Regardez le menton, mes gens. Je ne sais pas. Chez eux, là-bas, leur menton souffre avec des furoncles quand même. Hein, Jean Zebou. Je suis encore là, Jean Zebou. Jean Zebou. Je ne sais pas. La femme, si, regardez. Il ne sait pas, non, c'est pas possible. Hein? Tellement marié peut toujours être frustré comme ça là. Regardez, regardez. Regardez. C'est pas possible. Tellement marié. Bon, ici, je vais vous décortiquer. Vous savez que un 12 août, elle a une main comme ça là, non? Voilà, comme ça. Observez très bien. Elle dit qu'elle va aller. Et le téléphone nous a lâché, les amis. C'est terminé, c'est en photo. Tu as eu la chance. J'allais décortiquer ta main là. Elle a une main là, comme ça là. Une 12 août. La montre, ça dit la montre qui, hein, qui porte la montre là. Une 12 août, elle est comme ça. Mais c'est elle qui dit que oui. Hein? Dès que l'autre va arriver, hein, toujours tu es magnifique. Elle dit merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, maman Lisette. Hein, non, non, toujours. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es magnifique. Regarde comment, non, la prestance de ça. Merci, merci. Tu dis merci. Les gens se moquent de toi, tu dis merci. Hein? Pour dire que tu es belle, il faut y accompagner. Tu es au noir. Hein? Les gens te disent tu es belle, regarde, te dis regarde comment tu es debout. Hein? C'est pas possible. Tu as eu la chance, le téléphone t'a sauvé. Donc, les gens, merci, merci, merci. Voilà. Comme quelqu'un qui gère le gourmet, te dit que parce que changer ton portable, tu nous montres. Ouais, que Dibidi, non, demain, non. Vous savez, dans tous mes directs maintenant, je suis obligé de vous montrer les continents tant que elle ne change pas. Tant que elle ne change pas. Voilà. On a commencé à quelle heure? Moi aussi, je vous ai servi aujourd'hui là. Hein? On a fait au moins trois directs, trois sorties. Voilà. C'était bien. Moi, il a plu hier ici là, toute la journée. Toute la journée. Passer le temps à zapper, dormir, grignoter, zapper. Je me suis réveillé, il était 20h30. Voilà. Et là, maintenant, elle veut dormir, elle veut me réveiller à 11h. Non, pas 11h. J'ai rendez-vous demain à 11h plutôt. Je veux mettre le réveil à 10h. Voici mon rendez-vous demain. Demain, c'est le 19 à 11h. Voilà. Donc, bonne nuit. Merci, Belin, Belin. Ouais, je vais faire comment, mes gens. Il va sonner comme ça là. Mais l'heure là n'est pas encore passée. Tu vois, l'écran s'est bloqué, je ne sais pas. Il y a tout ici là, mes boîtes d'email et tout, même un tout quand elle raquait les murs, tout ça là c'est ici. Tandis seulement que si un jour, ou alors les gens là parviennent à
jamais dit pourquoi ça fait ça là. C'est là où vous allez comprendre que un tous là, c'est une mytho, une mytho, une mytho. Donc, mais moi, depuis, j'avais compris parce que la première fois qu'elle m'avait appelé, la façon qu'elle avait parlé au monsieur là, elle dit que maintenant, comment tu peux manquer? Non, 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 il ne va rien faire. Oh, 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 oh. Le mariage est fini. Pac. C'est elle qui est l'aînée. C'est elle qui veut les bangzizi. La honte de ça. Ça drague Tatiana Mimbang. Je comprends pourquoi à chaque fois, quand elle intervenait, si, quand elle chroniquait ici, là, elle était toujours avec les histoires des menottes, des fouets, et Barabas ici, c'est là. Hein? Psychopathe. Donc, bonne nuit, et merci beaucoup. Et à tout à l'heure.